Salut à tous, c'est Rise of. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Commandant, il y a deux nouveaux commandants légendaires qui sont arrivés avec la nouvelle mise à jour. Je suis trop content, même si ça va être sûrement des commandants un peu pay to win parce que c'est toujours et toujours du légendaire. Mais ça fait plaisir de voir un peu de la nouveauté. En tout cas, on est parti. Mais juste avant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. On est de retour en force, on charbonne de ouf. On commence avec le commandant Chandra Gunta Margrea. Bon, je sais pas le dire clairement parce que c'est beaucoup trop dur. Je sais pas d'où est-ce qu'il vient, on dirait un peu les trucs comme Byzance, c'est un peu le même fond. En tout cas, si je me trompe, bah désolé, mais je ne connais pas trop le fond. En tout cas, première compétence, lune cachée. Alors, de ce que j'ai entendu, je ne connais pas parfaitement les compétences, mais c'est sûr cheaté, ça vient tout juste d'apparaître. Mais il y en a déjà qui étaient en train de dire, ouais, c'est trop fort. Donc, lune cachée. Les dégâts de toutes les troupes sous son commandement augmentent de 20% pendant 3 secondes. C'est super fort déjà, plus 20% d'attaque. Waouh. Dans le même temps, il gagne une accumulation de bénédictions augmentant ainsi l'attaque des unités de cavalerie de 15% pendant 10 secondes. Vous pouvez accumuler jusqu'à 3 bénédictions. Donc direct, on commence, on a plus 20% d'attaque pendant 3 secondes. Et on a plus jusqu'à 3, plus 45% d'attaque et bonus de dégâts 40. Donc... vous pouvez monter jusqu'à 45% de dégâts de cavalerie, plus 40% de dégâts totaux. Donc c'est un truc de malade, et c'est un spé cavalerie, donc je pense que c'est plus avantageux de mettre que de la cavalerie. Donc plus 85% de dégâts directement si la première comp est full. Trop trop fort. Après on verra quel moyen de l'obtenir, si c'est par la roue ou par le plus grand gouverneur. Souvent c'est ça, je sais pas s'il y aura un autre moyen de les obtenir. Mais à chaque fois dès qu'il y a deux nouveaux commandants, c'est soit la roue, soit le plus grand gouverneur. Brigade d'éléphants royales, ça fait un peu penser à Barca avec ses éléphants. Lorsque vous attaquez à Bastion, la réduction des dégâts de vos troupes augmente de 2%. Obtenez une accumulation de bénédictions après avoir utilisé la compétence lune cachée. Donc ça, c'est avec la première compétence, on peut avoir jusqu'à 10% de réduction de dégâts. Si on fait x3 avec les bénédictions, donc le max, ça fait jusqu'à 30% de dégâts en moins. Surtout qu'il n'y a pas de temps, donc c'est dès que du moment que vous attaquez Bastion, bim, vous avez moins 30% de dégâts. Un truc de fou. Artha Shastra, ouais, et j'arrive pas à dire clairement, toutes ses compétences, son nom sont vraiment ultra durs à prononcer. Lorsque toutes les troupes de ce commandant appartiennent à la cavalerie, la santé augmente de 4% et chaque attaque a 50% de chance d'ajouter une accumulation d'épuisement à la cible, réduisant ainsi sa santé de 1% et sa défense de 1%. Chaque accumulation dure 5 secondes pour un maximum de 3 accumulations à la fois. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez monter super fort avec la santé de la cavalerie jusqu'à 20%. C'est abusé, donc go full cava. Et aussi, ça fait jusqu'à 15% parce que chaque accumulation dure 5 secondes. Alors, je sais pas, je pense pas que c'est séparé, ça servait à rien. Donc, ça veut dire que en 15 secondes, vous pouvez monter jusqu'à moins 15%. De santé et de défense sur l'adversaire. Il est trop fort, c'est clairement ce commandant, il est beaucoup trop fort. Maîtrise de soi, les dégâts subis provenant de la cavalerie sont réduits de 1%. Après utilisation d'une compétence active, la vitesse de marche de toutes les troupes augmente de 5% pendant 3 secondes. Pendant ce temps, toutes les accumulations de bénédictions sont supprimées et des dégâts sont infligés à la cible selon le nombre d'accumulations supprimées, multiplicateur de dégâts, nombre d'accumulations fois 300. Oula. Faut 300, vraiment. Donc ça veut dire qu'il fait vraiment super mal. Ça annule un peu les gros effets des trois compétences, c'est-à-dire qu'au début, vous allez vraiment le fracasser, et après, vous allez le défoncer avec ça. C'est-à-dire que presque le commandant, au début, il faut le jouer 3. En fait, c'est un peu bizarre. Peut-être que celle-là, elle aurait pu se déclencher un peu plus tard, parce que ça annule directement les trois autres. Je trouve ça un peu bête d'avoir monté plein de combos pour ça. Donc ça, ça va être un commandant vraiment à monter très soigneusement 5-5-5. Parce que c'est pour monter ici que ça monte que ça, c'est un peu bête. Donc les dégâts réduits de la cavalerie vont jusqu'à 5%, le bonus de vitesse de marche jusqu'à 25%. Et le multiplicateur de dégâts directs va jusqu'à 500. C'est vraiment fou. Alors le problème c'est le petit X, je sais pas s'il l'a, mais je sais pas si c'est x500. C'est-à-dire que ça fait tant de dégâts et ça monte à 500. C'est abusé, je vois pas de temps. Je pense... ah si, ouais, il y a le bonus de vitesse de marche pendant 3 secondes. Pendant ce temps... ah oui, donc ça veut dire que pendant 3 secondes, vous le faites x500.
à vérifier, clairement à vérifier, je suis pas du tout sûr si c'est une mauvaise traduction, un petit misclic, une petite lettre oubliée, mais ça fait x500, le commandant est juste monstrueux, c'est-à-dire pendant 3 secondes, il va arriver, blah, il va éclater la troupe, mais super fort, et le reste, pendant ce temps, il va le refaire des dégâts, des boosts, plein de choses comme ça, et jusqu'à voir le final, qu'est-ce que c'est? Force de Maruya, l'effet de bénédiction peut s'accumuler jusqu'à 4 fois, ouf, wow. Sur le territoire de l'Alliance, chaque attaque a 50% de chance d'octroyer une accumulation de bénédiction. En dehors du territoire de l'Alliance, chaque attaque a 50% de chance de le faire, de ne pas être activée qu'une fois toutes les 5 secondes. Oh, à peine, toutes les 5 secondes. C'est trop fort. C'est-à-dire, au lieu de faire x3 et tout, ça fait x4, donc vous montez à 60%. Ouais, non, mais clairement, le commandant, il a abusé. Genre, les pay to win, là, vous allez vous régaler, clairement. Ouais, il est abusé. Et maintenant, on va voir... comment est-ce qu'on peut l'obtenir, s'il va direct arriver sur le KVK et détruire tout le monde, ou s'il va arriver doucement avec le plus grand gouverneur. Ouf. Oh, je suis rassuré. Oh, le plus grand gouverneur, ça va. Oh, je me sens sauvé, parce que là, clairement, ça aurait été le bordel dans tous les KVK, parce que les Petowin, ils auraient claqué la roue en 2 secondes, ils auraient pu le monter full comp tranquillement, alors que là, ça va pendant le plus grand gouverneur, c'est 180 maximum, tranquille. Moi je sais pas si ça arrive, non, nous, ça sera pas direct. En tout cas le commandant est vraiment vraiment super fort, c'est abusé en cavalerie. Même en second, je sais même pas qui mettre. Même si je l'aurais full comp, je sais pas qui mettre en second tellement qu'il est fort. Peut-être quelque chose qui booste sa rage, parce que en plus de faire plein de dégâts et tout, s'il le fait encore plus rapidement, c'est encore plus chacal. Mais maintenant on va passer au deuxième commandant qui parle français. On peut l'entendre. Donc on va voir ses compétences. Déjà je vois qu'il est cavalerie, bah j'ai ma réponse, les deux vont très bien aller ensemble, mais que de la full cavalerie. C'est abusé, généralement c'est deux types, c'est pas toujours que full cavalerie ou que full infanterie. Bah là si, là c'est full cavalerie, on va voir ce qu'il donne, si vraiment il se met bien avec l'autre commandant. On va voir s'ils ont fait exprès de faire ça. Lignée cachée, infligez des dégâts jusqu'à 3 cibles dans une zone rectangulaire tournée vers l'avant. C'était pas plus simple de dire un éventail, mais une zone rectangulaire. Je sais pas trop ce que ça va donner ça, mais en gros, prenez ça comme une petite AE. Les zones rectangulaires tournées vers l'avant, jusqu'à 3 cibles. Ouais, c'est pareil qu'un éventail quoi. Multiplicateur de dégâts de 900. Les dégâts infligés à chaque cible sont réduits de 15% pour chaque cible supplémentaire après la première. Ça, on a l'habitude avec les AE. Les dégâts de compétences supplémentaires des bonus des troupes attaquées ne peuvent pas s'appliquer, leur vitesse de marche est réduite de 10% pendant 3 secondes. Déjà il arrive, il est debuff direct, il est calme. Multiplicateur de dégâts direct jusqu'à 1500, c'est correct. Et réduction de vitesse de marche jusqu'à 30%. Waouh, ouais, c'est vraiment énervé. Parce qu'on sent que les deux, ils sont faits pour tomber de la cavalerie, même s'ils sont cavaliers. Assaut sur les Hastings. Désolé si je dis pas correctement, mais je sais pas comment ça se prononce. Toutes les unités de cavalerie sous son commandement voient leur attaque augmenter du 10%. Leur vitesse de marche de 3%. Sur le territoire de l'Alliance, les dégâts de toutes les troupes augmentent de 2%. Wow. Aïe. Bonus d'attaque de cavalerie jusqu'à 20%. Ça fait mal. Bonus de vitesse de marche de cavalerie jusqu'à 15%. C'est pas dégueulasse. Bonus de dégâts jusqu'à 10% sur le territoire de l'Alliance. Alors ça va être bien pendant le KVK à jouer la carotte entre je vais sur le territoire ou quoi. Parce que lui, il va vraiment faire la différence. Conquête normande. Sur la carte, l'attaque de toutes les unités de cavalerie commandé augmente de 10%, encore. Les attaques normales ont 10% de chance d'afficher des dégâts directs à la cible multiplicateur de dégâts de 600. Ah, c'est comme si elle avait une deuxième AOE compétence quoi. Si la cible est encerclée, elle subira des dégâts supplémentaires. Multiplicateur de dégâts, nombre de troupes dans l'encerclement x40. Quoi? Non, c'est pas possible. Clairement, je pense qu'il y a un problème. C'est peut-être x4 et là x5. x40? Non mais le machin il se fait atomiser. En encerclé en plus, x40. Non, c'est beaucoup trop. Clairement c'est beaucoup trop, je pense pas que c'est x40. Jusqu'à 5 troupes d'encerclement sont comptées dans le calcul de ces dégâts supplémentaires. Wouah. C'est abusé. Alors je sais pas ce qui compte à un encerclement. Donc c'était à partir de 3, donc jusqu'à 5. Ouah, c'est beaucoup trop, clairement c'est beaucoup trop. Hein. Alors bonus d'attaque de la cavalerie jusqu'à 20% encore une fois. Multiplicateur de dégâts direct 800. Ok, ça manque un peu, mais quand vous voyez un x40, wow, il va faire mal quand vous allez slay pendant le KVK, ça va être vraiment violent.
et facteur de dommage jusqu'à 80. Non, 80 fois. Non mais les deux commandants abusés. Clairement, je pense qu'ils vont être nerfs très vite, mais ils sont abusés. Clairement, ils sont vraiment abusés. Fléau du Nord, lorsque lignée cachée, donc ça reflète sur la première compétence, touche une cible, les troupes de ce commandant gagnent 10% de défense pendant 3 secondes. Si lignée cachée touche 2 cibles ou plus, toutes les troupes de ce commandant et les troupes alliées à proximité voient leur défense augmenter de 10% et obtiennent 50 de rage par seconde pendant 3 secondes. Bonus de défense allant jusqu'à 20%. Le commandant est beaucoup trop fort, il fait des dégâts, il défend en plus. Et la comp ultime. Alors ça c'est un truc avec expertise. Donc jour du jugement, conquête normande. Donc maintenant, sur la carte, l'attaque de toutes les unités de cavalerie commandées augmente de 30% au lieu de 20%. Et les attaques normales ont 10% de chance d'infliger des dégâts directs à la cible. Multiplicateur de dégâts de 1000 au lieu de 80, au lieu de 800. Si la cible est encerclée, elle subira des dégâts supplémentaires, multiplicateur de dégâts... Wow, attends, wow. Nombre de troupes dans l'encerclement x 100. Donc 5 troupes x 500. Ah ouais, non. Ah non. x 500. Ça va faire quoi comme dégâts, ça? Wow, x 500. Eh, c'est trop. Clairement, le machin, il va faire 2 millions de dégâts, là. Stop. Donc, en gros, d'abord, on va voir. Ok, route de la chance, forcément, les deux commandants sont beaucoup trop forts et vont se faire patch instantanément, c'est obligé. Déjà, on peut voir la puissance directe, 5300, mais les deux ensemble, quoi, trop fort, ça fait énormément d'attaques avec encore plus avec ses bénédictions, énormément de défense avec lui et d'attaque aussi, plein de boosts, tu peux même pas tous les recenser, il y en a trop. C'est abusé, il y en a tellement avec lui, ses bénédictions, elles sont beaucoup trop fortes. Avec la maîtrise de soi aussi, c'est super fort. Franchement, il n'y a rien à dire quoi, les commandants sont surcheatés. Je pense qu'il va y avoir un nerf. Perso, moi j'aimerais bien au moins voir un KVK avec les commandants comme ça, où vraiment ça met des grosses quiches de partout. Voir même quelques jours où ils sont pas nerfs, histoire de voir le délire. Mais après, c'est peut-être je me trompe, peut-être c'est Raïs qui se sont dit « Ah si si, on les met comme ça, clairement. » Je sais pas. A voir par la suite, en tout cas moi je pense à un possible nerf parce que x100 plus le 5 là, son truc à x500 à mettre des 2 millions de dégâts, ça s'est déjà vu sur des gros rassos et tout, mais là si c'est de l'open field qui fait ça maintenant, ça fait vraiment mal. En tout cas sur ce, j'espère que les nouveaux commandants vous plaisent, que ça vous hype un peu, même si les commandants font clairement peur, on n'a pas envie de tomber contre des commandants comme ça full comp, mais il faut savoir qu'ils sont pas, tout le monde les aura pas full comp direct. Donc ça c'est tranquille, mais vous êtes vraiment surutilisé, c'est obligé, même moi peut-être je vais m'y mettre. C'est pour dire à quel point ils sont vraiment très forts. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et ça soutient. Sur ce, je vais vous laisser, c'était Rise of, ciao.